Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve à l'entrée du parc Disneyland, juste ici, devant le Disneyland Hotel, parce que c'est ici que nous allons aujourd'hui pour le nouvel hôtel tour. C'est un hôtel ultra magique, c'est celui qui donne sur l'entrée des parcs, c'est celui dont on a tous rêvé un jour, c'est celui que vous préférez, clairement, qui a vraiment cette ambiance particulière à Disney, et aujourd'hui, je vous propose d'aller le visiter. On y va ? Donc nous voilà dans la chambre au Disneyland Hotel, c'est une chambre standard et nous sommes du côté de la piscine, donc c'est, je ne sais plus, est, ouest, je ne sais plus. On sent quand même qu'on est monté en gamme par rapport au Sequoia, que vous avez dû voir précédemment du coup sur ma chaîne si j'ai bien fait mon travail. Ce que j'aime dans les hôtels Disney, du coup, c'est tous les petits détails qu'il y a dans les décorations. Par exemple ici en fait sur la tapisserie, sur les murs, dans les motifs fleuris, je vais vous montrer en zoom, il y a des têtes de Mickey et Minnie qui sont dessinées, il y a Dingo, Donald également, je suis en train de me dire qu'il y a Pluto aussi, qui sont en fait camouflés un peu dans les motifs à fleurs. Et là sur le meuble télé par exemple aussi, il y a Peter Pan qui est juste là. Hop, voilà. Et il y a un truc très sympa aussi que j'ai vu dans la salle de bain. Je vais vous montrer, venez. Le miroir, en fait. Est-ce que je vais réussir à vous montrer avec la lumière? Est-ce que ça va être dégueulasse? Donc sur le miroir, en fait, le miroir il est couronné ici par Blanche-Neige. Et en fait, il y a les 7 nains qui font le tour du miroir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, ça fait partie de ces petits détails qui font que on est dans un hôtel qui est un peu plus magique que les autres. Pareil, le petit le carrelage Fantasia, ça c'est assez cool. Il y a également plus de produits, parce que ça c'est quelque chose dont je me suis quand même pas mal plaint, c'est qu'il y a, on avait genre deux pots gel douche. Voilà, merci quoi. Là on a largement plus de choix. Et là en fait on a une lotion donc pour le corps, et des sels de bain, des petits cotons-tiges, un bonnet de douche, des cotons démaquillants. Juste ici on a un étui à couture, là, ici, et une éponge à chaussures et un sachet de blanchisserie. Il y a également des peignoirs avec des petits chaussons et voilà. Donc en fait c'est tous ces petits, c'est tous ces éléments qui font qu'on est sur un hôtel qui est un hôtel 5 étoiles avec un service qui est largement supérieur et donc un prix très supérieur. Après on est également chez Disney, donc ce qui est supérieur l'est encore plus en termes de prix. Ça fait très longtemps en fait que j'étais pas venue là, franchement ça fait je pense 7 ou 8 ans, si c'est pas plus, que j'avais pas dormi au Disneyland Hotel. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion pour vous montrer en vidéo et puis bah me refaire une idée, parce que la dernière fois j'avais pas été particulièrement séduite en fait par l'hôtel. Bon là c'est vrai que du coup en termes de prestations on est sur quelque chose qui est vraiment cool. Est-ce que je peux vous montrer d'autres qui soient un petit peu magiques? Et il y a un truc, alors là par contre je suis trop déçue, j'annonce, je suis grave déçue, c'est ça. Ça, le sèche-cheveux aspiro. Bon alors il a l'air un peu moins vieillot que celui du Sequoia. Enfin je trouve ça hyper cheap. Donc ça c'est, je suis assez déçue là-dessus. Le mobilier est pas fou. On sent quand même que l'hôtel a besoin d'une petite réhab. Et d'ailleurs bah, après le New York c'est le prochain à y passer hein. Vous avez quand même quelques années tranquilles devant vous. Vous allez pouvoir profiter en fait de l'hôtel dans ce thème là. Voilà, donc là je vais vous emmener à la piscine. On va aller visiter la boutique également. Et demain je vous emmènerai visiter le petit déjeuner. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Bisous.
Il y a un truc dont je vous ai pas parlé, qui est vachement sympa, c'est qu'il y a la cafetière Nespresso ici. Regardez. Cafetière Nespresso et bouilloire. Yes, regardez. Des petites dosettes. De quoi se faire son petit thé, son petit café, soit en rentrant, soit le matin avant de partir sur les parcs. Ça, c'est quand même très très appréciable. Là, on apprécie le 5 étoiles quand même. Voilà, après les autres tiroirs, bah, y a rien dedans. Voilà. Il est 8h30, je me dirige vers le petit déjeuner du Disneyland Hotel et je vais vous emmener avec moi pour manger. La nuit était vraiment cool, franchement la chambre est géniale, c'est vraiment topissime. J'ai été faire un tour déjà à la piscine hier et c'était... j'adore. Après c'est plutôt une piscine adulte parce qu'il n'y a pas de toboggan, il n'y a pas vraiment de trucs pour les enfants. Donc voilà, enfin ça c'est quand même bon à savoir. Le sauna, le hammam étaient bien, ils étaient pas très chauds. Et voilà, donc là on va aller manger. Et je vous souhaite un bon appétit. A tout de suite. Hey, je vous reprends ici 2 secondes parce que du coup
c'est un moment un peu sympa. Donc j'ai fait le tour du petit déjeuner. Le petit déjeuner ici au Disneyland Hotel, en fait, il se fait des deux côtés, du côté California Grill et du côté restaurant Invention, que vous avez déjà vu du coup dans un vlog, mais je vous en ai refilmé une partie. Là on est dans la partie California Grill, en fait c'est ici que j'ai été dirigée pour manger ce matin. Et du coup j'ai demandé si je pouvais rentrer dans la salle de dîner qui est fermée normalement, enfin pour le petit déjeuner en tout cas, on n'y a pas accès. Donc je vous fais un petit tour parce que c'est quand même assez sympa, on est vraiment bien ici, regardez. C'est chouette, hein, du coup. Je suis vraiment contente de pouvoir vous montrer ça parce que je pensais pas avoir la possibilité de rentrer, enfin, à court terme en tout cas, au California Grill. Et puis de moi-même aussi d'y aller parce que je ne suis jamais venue ici en fait. Donc c'est super beau, j'aimerais vraiment manger ici un jour, ça doit être vraiment chouette en tout cas. Donc la vue en fait elle donne directement sur l'entrée parce que là la gare de Main Street est juste en face. Je vais aller manger et je vous dis à tout à l'heure. Dites-moi ce que vous avez préféré en fait vous dans l'hôtel, du coup déjà de tout ce que vous avez vu et ce dont vous avez le plus envie en fait, enfin ce que vous avez le plus envie de découvrir et parce que ça m'intéresse vraiment de savoir en fait ce que vous kiffez dans les hôtels Disney. Donc voilà, à tout de suite. Du coup je voulais vous parler un petit peu du petit déj parce qu'il est vraiment canon et je vais essayer de me rapprocher pour que vous entendiez bien. Donc le jus d'orange, c'est du vrai jus d'orange frais, pressé, c'est pas du Tropicana, hein, un truc comme ça. Les œufs sont à tomber. Et là on va voir ensemble si la brioche est une brioche faite maison ou pas. Bon, j'ai pas des œufs maison mais c'est canon. On sent bien le goût du beurre. Ça c'est cool. La brioche c'est un peu le crash test du petit déj. Ensuite il y avait des madeleines aussi, elles brillaient vachement, j'avais l'impression qu'elles avaient fait. Alors. C'est très très bon. On est sur un petit déj qui est d'une qualité vraiment à la hauteur en tout cas de 5 étoiles de Disneyland Hotel, largement. Le thé d'ailleurs c'est du thé Laman, regardez. Hop. C'est pas du thé Lipton ou du petit thé, c'est vraiment canon, on est sur une gamme au-dessus aussi par rapport aux thés qui sont servis dans les autres hôtels. Oh, c'est vraiment très très bon. Le petit sirop d'érable, il est comme ça aussi pour les pancakes. Donc non j'adore. Voilà. C'est très très bon. Cet hôtel tour se termine ici, j'espère que ça vous a plu de découvrir le Disneyland Hotel. C'est un des hôtels sur lequel vous me demandez le plus d'informations à chaque fois. Donc là maintenant vous allez pouvoir voir tout ça en vidéo. Dites-moi ce que vous avez préféré dans cette vidéo, dans cet hôtel tout simplement. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur Hello Disneyland. Ciao !